Madame, monsieur, chers Chesnay et Courtois, chers Chesnay et Courtois, je souhaitais m'adresser à vous en cette journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme dans un contexte sanitaire qui est celui que vous connaissez, un peu particulier. Mais je crois qu'il était important qu'on prenne le temps en cette journée de se souvenir de toutes ces victimes. Et malheureusement, depuis près de 10 ans, nous avons eu à déplorer beaucoup d'attentats sur notre territoire. Et pour ne parler que des plus récents, j'ai évidemment en tête l'Hypercacher, le Bataclan, le Stade de France, Charlie, plus récemment le marché de Noël de Strasbourg et le dernier en date, l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine qui a coûté la vie à Samuel Paty. À chacun de ces moments dramatiques, la communauté nationale s'est retrouvée, a fait preuve de solidarité, mais le temps passe et il est important, et cette journée sert à ça, de continuer à nous montrer solidaires. C'est ensemble que nous ferons face à cette menace. L'occasion aussi de vous rappeler que le risque terroriste peut frapper à nos portes. Samuel Paty était professeur sur le département. Il y a 10 ans de ça, c'est un enfant du Chesnay, Jonathan Sandler, qui est mort à Toulouse sous les balles d'un terroriste. Ça peut nous arriver demain et ça nous rappelle à toutes et à tous qu'il faut être vigilant. Ça nous rappelle aussi qu'il faut remercier celles et ceux qui, au quotidien, nous protègent. Et ça nous rappelle aussi que la souffrance ne s'estompe pas, que les familles des victimes souffrent, que les blessés de ces attentats souffrent. Et je voudrais profiter également de ce petit mot pour remercier les associations qui se mobilisent discrètement au quotidien et dans la durée pour accompagner ces familles et les épauler, car la souffrance, leur souffrance, elle ne s'estompe pas. Je vous invite donc évidemment à vous associer à cette journée d'hommage, à rester vigilants, parce que ce n'est qu'ensemble que nous réussirons à relever le défi que nous imposent les terroristes. Vive la République et vive la France !